kuri. La ni bo se wa mi. Nous saluons tous ceux qui sont en contact avec nous en ce moment. Que notre prière, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grandir. Le thème, lève-toi, prends le lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Quand vous lisez très bien la Bible, lève-toi. C'est mentionné 365 fois. Alors que vous savez que l'année fait 365 jours. Cela veut dire que c'est comme chaque jour, Dieu te dit, lève-toi. C'est comme étant assis. Que l'histoire de ta vie est assise. Comme tu es assis. Que ton exercice est assis. Tant que tu ne te lèveras pas, rien ne se passera dans ta vie. Lève-toi ici. Dieu parle à ta mentalité. Tout chose commence depuis la mentalité, depuis tes pensées. Et dans Proverbes 23, verset 7, tu seras tel que sont tes pensées. Personne ne peut être supérieur à ses pensées. Telles sont tes pensées, telles tu seras. Donc, si Dieu nous dit, lève-toi, Dieu parle à ta mentalité. Il faut changer de mentalité. Car tout est possible. Marc 9, 33. À celui qui croit. Concernant Dieu, il n'y a pas d'échec. Concernant Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Seulement, c'est en toi que se trouve l'échec et l'impossibilité. Nous nous servons à un Dieu qui n'échoue point. Tout est possible. Est-ce que tu vas concevoir, accepter cela dans ta pensée? Nous allons voir Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Selon la version Louis II. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répond, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus,
prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Que Dieu honore sa parole. Maria, la guérison. Pas bene pour ce choukouen nam gese, anda tamto pa mari, ti mwen mara, bewen nam dap nzeme zang toa. La guérison, ce n'est pas demander à Dieu, est-ce que je peux être guéri totalement? Non. La guérison même est la volonté parfaite de Dieu. Il y a deux volontés en Dieu, la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Et concernant la guérison, c'est surtout dans la volonté parfaite de Dieu. La guérison se trouve dans l'œuvre accomplie sur la croix de Golgotha par Jésus-Christ. Selon la volonté de Dieu, c'est que toute personne, toute l'humanité ait la guérison. Dans cette histoire que nous venons de lire, à Jésus, qui est à Jérusalem, j'ai fait un peu qui puisse. Wakati. Jésus est monté à Jérusalem au temps des fêtes des Juifs. Les Juifs célèbrent quatre grandes fêtes qu'ils font chaque année. La première fête c'est la Pâque, le pain sans levain. Deuxième fête, la Pentecôte qu'on appelle la fête des moissons. Et la troisième fête, c'est la fête de l'église, du temple. Et Marc nous a dit qu'il est allé lors de la fête des Juifs. C'est quelle fête des Juifs? C'est la célébration du temple. Jérusalem, l'ancienne Jérusalem était entourée d'une muraille. Et on a ouvert 12 portes. Selon les 12 tribus d'Israël. Kani, ici, à Jésus, Jésus a passé par la porte qu'on appelle en hébreu Bethesda et qui signifie en français la porte de la miséricorde. Il y a beaucoup de portes que tu peux entrer, par lesquelles tu peux entrer à Jérusalem. Mais ce jour, le Fils de Dieu est rentré par la porte qu'on appelle la porte de la miséricorde. Bien souvent, les gens sont assis. Là où ils sont assis, ce n'est pas le lieu de miracle, ce n'est pas le lieu de guérison et ce n'est pas le lieu de leur exaucement. Là, à Jésus, mais concernant cette histoire, Jésus est passé par la porte de la miséricorde. La Bible nous dit. Il y avait une piscine là. Baka, une piscine. La baka non revenir jana nous de tantrambe nous. Ça veut dire que autour de la piscine il y avait cinq portiques. Ça veut dire cinq hangars. La jana nous fait pider n'importe. Et les cinq portiques étaient remplies de monde. Tu as comment heramba? Que c'était des paralytiques, des gens qui sont paralysés, des boiteux, des paralytiques, des aveugles, qui étaient remplis les cinq portiques. Des gens que la médecine avait condamnés. Des gens que les féticheurs ont échoué de les guérir. Les tradis praticiens ont essayé en vain. Ce sont des maladies chroniques. Il y a une maladie incurable. Ils étaient remplis des cinq portiques. Quand Jésus est arrivé là,
qu'il y avait un homme là. Qui était malade pendant 38 ans. Ce n'est pas l'âge de monsieur. La durée de sa maladie était de 38 ans. 38 ans. Là, bien tout refroid. Qui était dans la douleur. Toi qui m'écoutes en ce moment, est-ce que la durée de ta maladie vaut la durée de cet homme-là? 38 ans. Quand Jésus l'a vu, Jésus avait les neuf dons du Saint-Esprit en lui. Quand Jésus l'a vu, lorsque Jésus l'a vu, il a vu qu'il a été malade pendant longtemps. Ce n'est pas l'homme qui a informé Jésus qu'il était malade pendant 38 ans, non. En ce moment, il y avait deux dons qui opéraient. C'était la parole de connaissance et le discernement des esprits. Et qui ont montré à Jésus. Tu vois cet homme-là. Sa maladie a duré pendant 38 ans. Ça, c'est la parole de connaissance et le discernement des esprits qui agit ainsi. Et il est, Jésus a pu s'approcher pour lui demander. Veux-tu être guéri? Et le don qui devait s'ajouter aux deux dons pour amener la pour apporter la solution à cet homme-là, c'était le don de la guérison, le don de la guérison divine. Regardez la question que tu as posée. Je sais que tu souffres pendant 38 ans. Tu es allé chez les charlatans. Chez les féticheurs. Tu as rencontré les médecins. Ils ont tous essayé. Mais moi je te pose la question. Peux-tu être guéri aujourd'hui même? Si vous étiez à la place de cet homme-là, qu'est-ce que vous allez donner comme réponse? Regardez la réponse de ce monsieur-là. Je n'ai personne. Pour me jeter dans la piscine lorsque l'eau est agitée par l'ange. Vous voyez maintenant que c'est de ces pensées que proviennent tous ces problèmes. On ne t'a pas posé de telles questions. On devait peut-être être guéri. Sa réponse était oui ou non. En ce moment, il s'est traversé des ténèbres. Il y avait un silence en Israël en ce moment. Il n'y avait pas de prophétie. Il n'y avait pas la parole de Dieu. Il n'y avait pas de guérison. Il n'y a plus de miracle. Après la mort de Jésus. Et il était impératif de Dieu de faire descendre un ange. Et il descendait faire l'œuvre des hommes. Ils n'ont pas créé les gens pour guérir les gens. Mais il n'y a personne qui faisait ce travail-là. Donc, l'ange descendait. Descendait pour guérir les gens. Il agitait l'eau. Et le premier qui tombait dans la piscine était guéri. Quel qu'en soit sa maladie. Voilà pourquoi l'homme a dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et si je vais rentrer, quelqu'un doit me devancer. Si c'est à la place de cet homme-là, j'allais me coucher dans la piscine. Lorsque l'ange viendra pour agiter l'eau, il va m'agiter en même temps que l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine pendant que l'eau est agitée. Et Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aux yeux de tout le monde, l'homme s'est levé, il a pris son lit, il a commencé à marcher. Cet homme avait trois grands problèmes. Il avait
Et ce sont ces trois grands problèmes qui l'ont amené à faire 38 ans sans être guéri. Et toi également qui nous écoutes actuellement, ces trois grandes choses là qui t'ont saisi pendant longtemps, tu n'es pas exaucé, tu n'es pas guéri. Dieu n'a pas pris la retraite, Dieu n'est pas faible. Il est dit dans Hébreux 13:8, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, ce que Jésus fait, il le fait. Mais pourquoi jusqu'à présent, tu n'es pas encore guéri, tu n'es pas encore exaucé? C'est à cause de ces trois grands problèmes que je vais citer tout à l'heure. Pipi, premièrement, l'homme a un esprit, il a des pensées, une mentalité, et cette mentalité appelée, cet esprit-là, l'esprit de complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité. Quand il est avec vous, vous disiez, ça peut se passer avec un tel, mais cela ne peut pas se passer avec moi. Chaque fois, vous mettez à l'écart. Et même la guérison, votre guérison, vous mettez ça à l'écart. On l'appelle l'esprit de complexe d'infériorité. Ce n'est pas de l'humilité. C'est l'esprit de complexe d'infériorité. Ce n'est pas de l'humilité. Si tu arrives au milieu des gens, cet esprit te dit, tout le monde, tu es le dernier de tout le monde. Tu es le dernier de tout le monde. Tu n'as même pas de la valeur. Tu n'as même pas d'importance. Et ta venue dans ce monde n'a même pas de bénédiction. Tu vas repartir tel que tu es venu. C'est comme ça qu'il parle. L'esprit de complexe d'infériorité. C'est une peur qui est en vous. Et vous tremblez seul. L'esprit de complexe d'infériorité qui conduisait cet homme-là, qui animait cet homme-là. C'est cet esprit qui contrôlait toute sa vie. L'esprit de complexe d'infériorité. Voilà pourquoi dans les écoles, dans les établissements, tout celui qui est à chaque fois le premier, et tous les professeurs le félicitent. Et voilà qu'il allait à l'examen, il a échoué lamentablement. Et ses professeurs sont confus. Ses parents sont confus. Parce que la connaissance qu'il devait avoir reçu à son examen, il a ça. Et il a bien travaillé toute l'année. Pourquoi a-t-il échoué? Avec lui, les autres peuvent réussir à l'examen. Une seule personne doit échouer. C'est moi. L'esprit de complexe d'infériorité. L'esprit de complexe d'infériorité. Les gens pensent que c'est de l'humilité. Non, ce n'est pas de l'humilité. L'esprit de complexe d'infériorité. Tu te regardes comme zéro. Tu te vois zéro. Tu te vois échouer à chaque fois. L'esprit de complexe d'infériorité. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'eau est agitée. Avant que je m'y plonge, il y a une personne qui m'y plonge la première. Et parmi tous les malades, sa pensée, celui qui ne pouvait pas se jeter parmi tous ces malades là, c'était lui. Il n'essaye même pas, il pense. Si je me lève, ce moment, va me bousculer, je vais tomber. Je ne vais même pas m'efforcer pour me lever parce qu'ils vont me bousculer. L'esprit de complexe d'infériorité. Si
Le deuxième esprit qui animait cet homme là, deuxième mentalité que l'homme l'avait, qui amenait l'homme à faire 38 ans sans être guéri, c'est l'esprit de solitude. Seul. Il est seul, il vit seul. Premièrement, son époux l'a abandonné. La femme a raison parce qu'une personne ne peut pas prendre 38 ans pour s'occuper de quelqu'un qui est malade. Tu te mets à la place de la femme, là, tu n'as même pas fait 10 ans, comme ça que tu aurais dû partir. Ses enfants l'ont abandonné. Et si les enfants ont raison, si tu t'assois pour t'occuper de ton papa qui est malade pendant 38 ans, tu ne vas pas te marier. 38 ans que tu vas prendre soin d'un malade. Donc, tu vas te marier à quel âge? La Mahaya. Mais maintenant, les cinq portiques. Les autres malades qui étaient là-bas, ils ne pouvaient pas tisser une amitié avec eux. Avec les autres malades. Il y a de ces malades. Et comme l'aveugle, lui ne voit pas, mais il peut être fort, des jambes et des mains. Tu devais tisser une amitié, il pouvait tisser une amitié avec cette personne-là. Va lui porter, comme lui il a des yeux, lui indique qu'ils vont tous tomber dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Et ça c'est bien, même si l'ange venait une fois par an pour agiter l'eau, c'est qu'il était assis, c'est 38 ans, ça veut dire 38 fois que l'ange est venu guérir des gens, il était assis et il regardait. Si l'ange vient par mois, s'il vient chaque semaine, tous les jours il voit des gens qui sont guéris par l'eau agitée. Il y a des gens qui sont remplis dans les églises. Tous les jours, tu es assis, tu regardes des gens qui sont guéris. Il y a des gens qui se marient. Des gens qui ont de l'emploi. Il écoute les témoignages. Mais rien ne l'arrive. Jésus avait trois partenaires de prière. Et il était attaché à ces trois partenaires de prière. Il y a Pierre, Jacques et Jean. Faut tu peux pas vivre seul, sans personne. Faut te confier. Que tu peux te confier. Pour qu'il prie avec toi. Et qu'il prie pour toi au moment où tu te pèches contre Dieu. Tu n'as pas de conseiller. Tu n'as pas de partenaire de prière. Tu n'as pas quelqu'un avec qui partager tes émotions. Il y a des gens qui vivent seuls. Voilà pourquoi tu ne peux pas recevoir le miracle également. Puisque Dieu collabore avec les hommes. Lui, il est esprit. Il ne peut pas descendre lui-même. Chaque fois, il va passer par une personne pour agir. Comme tu n'as pas de collaboration avec quelqu'un, tu t'es renfermé. Et comme tu vis seul, voilà pourquoi tu souffres. L'homme était enfermé en lui-même. 38 ans. Le troisième grand problème que le monsieur avait, c'est ton troisième esprit qu'il a dit. C'est sa troisième mentalité qu'il a dit. C'est-à-dire que c'est l'esprit de dépendance. Il dépend chaque fois de quelqu'un. Il y a des gens qui vivent. Chaque jour, ils ne dépendent que des autres. Toute sa vie, il est dépendant. Des gens qui sont nés, et ça devient un fardeau, une charge pour les autres. Tu es né pour être la solution aux problèmes des gens et non pour être des problèmes ou une charge pour les autres. Et une telle personne, les gens auront marre de toi. Parce que tu es devenu une charge pour eux. Une charge. Quand tu as eu un choix là, et ça, il faut
Si un jeune homme de 30 ans, tu es toujours chez ton papa, on se lève le matin, le petit déjeuner, c'est papa ou maman qui va te donner. On va te donner l'argent de l'essence pour que tu partes boire le thé. Ça, c'est, tu deviens un fardeau, une charge pour ta famille. Et si une jeune fille, 25 ans, tu es toujours dans la famille, dans la maison familiale, c'est maman qui va te donner un pain et te donner l'argent pour aller te couler ton pain là. C'est que tu deviens une charge pour la famille. Il y en a qui sont dépendants des autres. Même pour manger là, il faut qu'il s'appuie sur quelqu'un. Nous devons éveiller les paralytiques, les indigents, les ceux qui sont, qui ne peuvent rien faire de d'eux-mêmes. Sinon que, Dieu ne peut pas te créer étant fort. Tu n'es pas malade. Rien tu n'es pas malade. Et il faut que quelqu'un d'autre te donne à manger. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Pourquoi es-tu dépendant des autres? Non, on m'a laissé tomber. Qui te tenait même, qui te soutenait même, et puis il va t'abandonner même. On m'a oublié. Si une telle mentalité t'anime, quand est-ce que tu t'en sortis? Quand est-ce que tu t'en sortis? Vous voyez que les gens vivent dans l'endettement, sont devenus des mendiants parce qu'ils veulent être dépendants des autres. On les méprise, on les vilipende parce qu'ils dépendent des autres. Une femme qui dépend que de son mari. Même boîte d'aliments, même 25 francs de boîte d'aliments, il faut que le mari plonge la main dans la poche. Chaque jour, tu dis, le riz est fini. Toi, tu ne peux pas acheter. Tu ne peux pas amener le riz. Tu sais que les frais de scolarité ne sont pas assurés. Tu sais qu'on on a coupé l'électricité. Hein? C'est ton mari qui est devenu ton Dieu. Pourquoi les uns dépendent des autres? Regardez dans sa parole. Je n'ai personne pour me faire plonger dans la piscine. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Il attendait qu'un jour quelqu'un vienne dire, arrangez-vous vos pieds là, je vais vous soulever, allez plonger dans la piscine. Il y en a qui sont assis comme ça aussi. Il est assis, il attend. Il est assis, il attend qu'on vienne le soulever depuis sa chambre, aller lui mettre dans un bureau climatisé. Avec une chaise de direction, il faut t'asseoir. Assieds-toi. Un jeune homme qui est assis, tu as l'air de te marier, tu es assis. Au lieu de sortir courtiser les filles là, tu es assis et tu attends que la fille là vienne vers toi. Quand? Toi, jeune fille, tu peux pas te lever, tu as plus de 30 ans, gêné, et dis, comme on avait, les Romains avaient forcé Simon de Cyrène à porter la croix de Jésus. Tu as dit au Saint-Esprit, il faut aller de force amener mon mari là vers moi. Et Jésus a dit, si c'est la volonté de Dieu, je vais me marier. Donc assieds-toi. Tu ne peux pas te lever, lève-toi. Lève-toi. Il y en a qui sont dépendants des autres. Voilà pourquoi le miracle dure avant de t'atteindre. Voici les trois problèmes de monsieur. Et toi qui m'écoutes actuellement, qui nous écoutes actuellement, quel est l'un des grands problèmes qui est avec toi? L'esprit de complète infériorité qui t'anime? Ou bien tu vis dans la solitude? Et tu te dis que toi tu es un ange et tu ne peux pas t'entendre avec les autres? Ou bien tu es dépendant des autres? Tu es assis, tu regardes les autres. Lèvez-vous. C'est depuis la mentalité que toi t'es levé.
Les problèmes commencent à partir de ta mentalité, de tes pensées que tu as. Si vous vous levez dans votre mentalité, dans vos pensées, et dit, si un tel peut faire ceci, moi également je peux le faire. Quand une telle pensée vient dans ta vie, tu vas faire des exploits avec Dieu. Un homme d'être d'une femme peut faire, toi également tu peux le faire. Et tu es l'enfant de Dieu et tu es l'esprit de Dieu en toi. Et les gens s'appuient sur Satan, sur la sorcellerie et sur la puissance du diable. Ils réalisent des grands projets et toi, fille de Dieu, tu ne peux même pas faire une telle réalisation. Dans ta mentalité, c'est impossible. Et comme tu vois l'impossibilité, à chaque fois, tu n'oses même pas faire. Ma prière est que Dieu vous délivre de l'esprit de complexe d'infériorité. Dieu vous délivre de l'esprit de solitude. Que Dieu vous délivre de l'esprit de dépendance. Pour que vous puissiez rentrer dans votre destinée. Que la personne de Dieu demeure. Tenez-vous debout pour rendre grâce à Dieu. Oui. L'année, mon Dieu, ouais, mais...